Connaissez-vous la sublime Zaoey Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le Président, si vous n'avez pas ce plaisir, sachez qu'il s'agit d'une des plus belles femmes du monde. Ses grands yeux en amande et son regard plein de courage lui donnent des airs d'impératrice. Son visage exquis se coiffe d'une longue chevelure d'ébène qui tombe sur sa nuque blanche comme autant de fils tissés dans la meilleure soie de Chine. Sa grâce naturelle l'a conduite à l'excellence dans tous les arts de la scène, la chanson, la danse, la comédie, le cinéma. Sa gloire est mondiale. Elle a su séduire tous les publics. Rien qu'en Chine, on comptabilise près de 90 millions de fans. Mais Zhao Wei n'est pas qu'une simple diva. Zhao Wei, c'est aussi une femme d'affaires redoutable, qui trône à la tête de nombreuses sociétés et d'un patrimoine d'un milliard de dollars. Cette fortune colossale fait d'elle une des femmes les plus puissantes du monde. Gloire, célébrité, fortune, Zawei semblait intouchable. Et pourtant, pourtant elle a disparu. Elle a disparu. À la fin du mois d'août, il y a sept mois déjà. Mais pourquoi? Vous l'aurez compris. Wei est chinoise. Et en Chine, la richesse et la célébrité sont des qualités très dangereuses. J'accuse. J'accuse le gouvernement chinois et son dirigeant Xi Jinping. D'avoir orchestré cette disparition. Depuis plusieurs années, le régime poursuit une véritable croisade contre l'industrie du divertissement. Les caméras ne sont plus au service de l'art. Les caméras ne servent qu'à surveiller et à noter le citoyen qui se retrouve prisonnier d'un algorithme de l'inhumain. La Chine contemporaine est soumise au régime du parti État. Ce régime, c'est celui du Parti communiste chinois. À sa tête, le président Xi Jinping est un homme tout-puissant, disposant d'un nombre de mandats illimités et d'une parole à valeur constitutionnelle. Le parti l'a même élevé au rang d'icône du pays, aux côtés de Mao Zedong. Xi Jinping veut faire de la Chine la première puissance mondiale, enfermé dans l'hypocrisie de son ego. Ce mégalomane a lui-même baptisé ce but le rêve chinois. Il est interdit à chaque Chinois de rêver. Que Xi Jinping l'a déjà fait pour eux. Et il faudra l'aimer pour cela. Mais ce rêve a un prix. Un prix sanglant et inhumain. Ce prix, c'est la mort. La mort de la liberté d'expression, la mort de la liberté de penser, de conscience, la mort de la liberté d'aller et venir, la mort du droit de propriété, la mort du droit à la vie privée. Le prix de ce rêve, c'est la mort de tous les droits et de toutes les libertés individuelles. Toute opposition doit disparaître. Tout germe de révolte doit être maté. Tout espoir de liberté doit être éradiqué. Zhao Wei n'est même pas une fervente opposante du régime chinois, mais elle est riche, elle est célèbre, ce qui fait d'elle une citoyenne exceptionnelle, à la liberté accrue. Cette liberté ne doit pas faire rêver les Chinois. Je vous l'ai dit, le rêve est interdit, seule la peur est autorisée pour mieux les maintenir sous contrôle. Alors une fois de plus, Xi Jinping s'acquitte du terrible prix. Pour que son rêve chinois existe, personne, pas même une artiste, ne doit lui faire de l'ombre. Il faut que wei disparaisse, alors elle disparaît. Il ne s'agit pas d'une simple disparition physique. Zhao Wei a littéralement été effacé. L'Internet chinois, hermétique, au réseau international, a été purgée de la moindre trace de cette femme. Ses œuvres, le reflet de son âme en tant qu'artiste, ses films, ses chansons ont été retirés des circuits de distribution. Seule une poignée de films dans lesquels elle occupe un rôle mineur reste disponible. Mais c'est alors le nom, le nom même de Zhao qui a été effacé du générique. Cette disparition totale me rappelle les pratiques de la société eurasienne, décrites par George Orwell dans son ouvrage 1984. Voici donc quelques lignes de ce triste visionnaire. Des gens disparaissaient, simplement, toujours pendant la nuit. Leurs noms étaient effacés des registres, tout souvenir de leurs actes était effacé. Ils étaient abolis, rendus au néant, « vaporisés », comme on disait. Zhaowei s'est vaporisé. La Chine a aboli Zhaowei, elle l'a rendu au néant. Par ce crime, la Chine nie à Zhaowei son droit le plus élémentaire en tant qu'être humain, le droit d'exister. Une question reste pendante. Zhawei est-elle encore en vie J'ai l'intime conviction que Zhaowei n'est pas morte et qu'elle réapparaîtra bientôt. Car Zhaowei n'est pas la première à disparaître. La liste est longue. Pour n'en citer que quelques-uns, les voici. Meng Hongwei, président d'Interpol, disparu. Fan Bingbing, actrice de renom international, disparu. Jack Ma, milliardaire, fondateur du géant chinois Alibaba, disparu. Beng Shui, ancienne numéro un du tennis féminin, disparue. Tous disparus. Tous ont refait surface avec mille louanges pour le parti qu'ils avaient eu l'imprudence de critiquer ou, à tout le moins, l'impudence de vexer. Depuis, ils font l'objet d'une surveillance rapprochée et n'ont plus le droit de quitter le territoire chinois. Mais sont-ils revenus? Et reviendra-t-elle vraiment? Non, non, elle ne reviendra pas! C'est un être humain tordu, essoré, brisé, endoctriné et soumis à la peur du Big Brother chinois qui nous sera montré tel un pantin! La disparition de ces hommes et de ces femmes n'a qu'un seul but: le renforcement radical de l'emprise du parti sur la société. Quelle que soit la place de l'opposant, il faut l'anéantir. L'anéantir. Comment procède-t-on pour anéantir un être humain Quelle terrible question. Peu de témoignages sont parvenus jusqu'à nous. Ils sont alarmants. Les détenus sont maintenus au secret, isolé, nu. Dans des cellules minuscules où il est à peine possible de se tenir debout. Illuminé, sonorisé en permanence. Et quand enfin, malgré toutes ces gênes, le corps s'endort d'une extrême fatigue. Alors on fait sortir le prisonnier. On le jette contre un mur comme une bête, là encore nu. Et on le passe au carchère. Pour le maintenir éveillé, on répète cet exercice jusqu'à ce que la volonté cède. Car la Chine ne se contente pas d'un anéantissement physique. Il faut convertir l'opposant, il faut capter son âme et lui donner une autre forme. Pour cela, on va d'abord lui retirer sa liberté puis son humanité. Et ce n'est qu'après avoir réduit en miettes son âme que les tortionnaires se pencheront pour cueillir le fruit de la conversion de l'individu à l'ombre de sa dignité perdue. C'est cette conversion, une conversion liberticide dans toutes ses étapes que Zaobay est en train de subir. Malgré sa place au Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine n'a que faire du respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hier, Zao wei a été arrêtée, elle a été privée de sa liberté d'aller et de venir. Aujourd'hui, wei subit une détention arbitraire, pour laquelle il n'y a pas eu de procès, pour laquelle il n'y aura pas de procès. Alors, à quoi bon rêver d'un procès équitable Durant cette détention, elle est soumise à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Demain, demain si elle veut survivre, elle devra renoncer à tous ses droits et à toutes ses libertés pour embrasser les idéaux du parti. Les hommes qui utilisent ces mécanismes sont les plus ignobles des lâches, car l'imposition de toutes ces souffrances ne démontre qu'une seule chose. Ce n'est pas le peuple qui a peur de l'État, c'est l'État qui a peur du peuple. Si Zaouei a été effacé, si sa voix s'est tue, je lui donne mon visage et je lui donne ma voix. Pour dire le nom, de ce qu'on lui a pris, pour dire le nom de ce qu'elle représente, pour dire le nom de ce qu'on doit lui rendre, pour dire le nom de ce que Xi Jinping et ses partisans croient pouvoir anéantir, pour dire le nom du véritable rêve chinois et de l'humanité tout entière, pour dire le nom de ce en quoi je crois. Ce nom, c'est celui de la liberté.